Ah non, je sais toujours pas ce qu'il faut pour l'invoquer. Putain, mais quel idiot. Bon, mes haches et tout, mes pioches, voilà. Prendre aussi mes pioches. Mes flèches. C'est vrai ça, on invoque comment? En réfléchissant, on va voir les trucs de mob. Hein. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, rien à voir, rien à voir. Alors il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et il y a les chaînes. Bah je vais tout prendre dans le bateau. Enfin pas dans le bateau, mais je vais tout prendre avec moi. Ouais, tout le reste n'a rien à voir. J'ai pas le choix de toute façon. Parce que je sais pas ce qu'il faut. Il faut nous cuisiner, j'étais persuadé que c'était des saucisses. Il a dit cuisiner les restes. Rien ne se fait cuisiner quoi. Des chaînes, ça fait aucun sens, la gadoue aussi. Os atrophié, os géant noué comme du vieux bois, rien à voir. Contenu d'une liche, urk, rien à voir. Ça c'est fait avec des navets, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Toutes les bouffes que j'ai qui se cuisinent, ça n'a rien à voir. Et en plus même tous les items que j'ai, rien ne se cuisine, vous n'avez rien à cuire. Y a pas de cuisine à faire, je sais pas. Je crois que c'est mal traduit. Comme on avait dit. Puis on verra ce que c'était. Hein. Alors je vais déposer quand même. Je vais pas tout prendre quoi, ça pèse lourd. En 10 de chaque quoi. Je pense pas que ça nécessite plus. Ouais, chaînes, s'il faut des chaînes. Pourquoi j'ai un cultivateur? Oh, quel idiot. Mon marteau, je prends. Ah, je voulais prendre un peu de bois et un peu de cailloux, c'est vrai. Pour faire un feu. Ah, c'est vrai. C'est vrai que je voulais faire ça. Vais vite fait chercher un peu de cailloux, pardon. Pardon pour cette DA un peu rapide. Je vais chercher vite fait un peu de cailloux avant de faire le boss. Parce qu'en fait je vais me faire une petite base avec un feu. Juste au cas où, pour me prendre le buff de repos si jamais il pleut ou une connerie comme ça, juste avant de l'invoquer. Ce sera rapide, ce sera rapide. Il me faut allez genre 20 cailloux, ce sera suffisant. Ah les popos anti-poison. Oh, je vais y aller sans les popos anti-poison, quel idiot. What a moron. Bon allez. Voilà, voilà, barre de vie. Je vais déjà prendre une popo anti-poison. Let's go. Alors là je suis en train de régène, alors j'espère quand même pas me prendre un moustique, tu vois. Je crois que c'était un moustique le truc. Oh, déjà un blob quoi. Déjà des embrouilles. Alors j'ai une hache pour taper si le tranchant marche ou si l'épée marche quoi. Et pour le contondant j'ai la massue. Donc moi je pense que ça va être un blob géant quoi. C'est pour ça que j'ai pris une massue. C'est vrai qu'ici il y a plein de cryptes que j'ai pas faites, donc en vrai le faire plus large. Je crois que j'ai près de 200 PV là. Hein. Bon, je sais pas du tout ce qu'il faut pour l'invoquer. Hein. J'ai hâte de voir ce que c'est. S'il vous plaît, laissez-moi marcher tranquillement dans l'eau. Je n'ai pas envie de vous combattre. J'ai rien à voir avec vous. Je vais simplement vers le boss. Ah, je réussis à y aller sans trop trigger de mob. Il faut avouer que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ou alors c'est un gros squelette géant. Et là du coup la massue marchera aussi. Vu que la massue, je vous rappelle, c'est critique sur les géants.
On va vite fait faire une table de craft. Un feu. Je sais même pas si j'ai assez de bois. Est-ce qu'il faut faire un toit? C'est collé à l'arbre normalement, c'est bon. Tu as couvert? Ah oui. La vie est trop exposée. Je pense que je me suis trompé de toit. J'aurais dû prendre les toits un peu plus ouais, comme ça. Ça couvre mieux. Je prends quelque chose. Ah, j'ai pas looté le bois qui est tombé. L'habit est trop exposé, mais c'est pas pour réparer de toute façon. C'est juste pour le buff de repos. Ah, je suis quand même humide. Non, non, je suis pas humide si je me colle bien. Let's go, je vais pas trop attendre. Merde, y a des mobs ici. Oh, vas-y. Faut que je les clear. Il y a d'autres mobs. Non, je crois pas. À part les sangsues, ça va. À part les sangsues, ça va. Je pense que je suis intestable en vrai. Je pense que je suis même over level pour le boss. Vu mes PV et vu mon stuff. Mais bon. Alors il fallait quoi? On va voir. Ah, mais faut mettre le 1-8. On va tester un par un. Parce que je pense qu'il doit à tout à refaire. Rien ne se passe. Ah voilà, fallait 10 os. Ok, alors il pop où? Il pop là, très bien. Déjà l'arc, je pense que ça ne marchera pas, mais on va tester quand même. The mass is moving. Ouais, c'est bien un blob. Ok, ça fait 0 dégâts. Bon, ce sera ça. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune embrouille. Oh là là. Est-ce que je peux parer? Oui. Ok. Merde. Oh, ça va être long, hein. Ah, il m'a quand même touché, hein. J'aurais dû fuir un peu plus loin. Par contre, ça va être compliqué de régène en vrai. Ah ouais, c'est chaud. Même comme ça, je pense. Je pense qu'à cause de l'endurance et du système de. De PV dans le jeu, ça va être très dur. Ça va être très dur, très dur, très dur. Est-ce qu'il régène? J'ai l'impression qu'il régène. Quand je regarde sa barre de vie. Anti-poison, il n'y a pas. Bah si, j'ai anti, j'ai hydromel de résistance au poison. Oh non, là, le problème, c'est pas ça. Le problème c'est lui. Ah, il envoie des blobs en plus. Ah ouais, les blobs, les blobs c'est un problème. Ouais, les patates que. Mais vas-y, un drogue, une étoile. Le drogue une étoile va me tuer. Parce qu'en fait c'est trop fort un drogue une étoile. J'aurais dû prendre mes trucs de vie. Et d'endu. Ouais, c'est peut-être ça que j'aurais dû prendre. Faut que j'aille régène près de mon feu. C'était pas une mauvaise idée de le mettre.
T'as un drogue archi une étoile quoi. Oh, il m'a mis 21, mais tasse. On va le brain un peu. Ah oui, d'accord. Heureusement que j'ai une masse qui one-shot ces connards. Oh, je suis lent. Oh, je suis lent. Le problème, c'est de pas pull des mobs aux alentours, surtout. Oh, je nage, sérieux? Je suis tellement lent que je nage quoi. Enfin, c'est tellement profond que je nage. Ou alors, je peux rentrer dans une crypte aussi. Et régène dans la crypte et ressortir. Parce que je sais qu'ils reset pas les boss. Ça, je l'avais déjà compris avec les anciens boss. Ça peut être une strat. Et on régène, on régène, on régène. Je peux être consommé pour l'instant, ok. Je peux pas. Je peux pas juste bourrer. Bourrer la popo pour récupérer les 10 minutes. Mais tant que j'esquive son vomi de poison, ça va. Hein. Juste qu'il avance un peu plus. C'est moi ou il brûle? Ah, il brûle à cause de mon feu. Ah, d'accord. 1000 dégâts. C'est bon. Je vais quand même ouvrir cette crypte au cas où. Ah, il vomit des squelettes aussi. Oh, mais vie, ma vie quoi. Mais mon endurance. Ok, les hydromels, ça doit être la vie. Hein. Même s'ils durent qu'une seconde, en vrai, pour sortir de cet enfer, une seconde, ça vaut la peine. Bon, vu qu'il m'a... Vu qu'il m'a poisonous. Je bourre. Je bourre un peu. Ah, je pourrais monter là-dessus aussi. Dans 20 secondes, faut que je m'en mette ma popo. Je pense qu'il a pas l'air de régène, tu trouves? Je sais pas, peut-être c'était mon illusion, je pensais avoir fait plus de dégâts, peut-être. Effectivement. En tout cas, ça va en vrai. C'est juste ça va être long quoi. Parce que j'ai pas pris mes popos de vie, ni mes popos d'endu. Et j'aurais dû faire ça en vrai. Par contre, les ZAD. Hein. Ah, les ZAD. Les ZAD contre l'arbre, c'était pas un problème. Hein, vu que. Vu qu'il bougeait pas. C'est vrai que les deux premiers boss m'avaient pas vu les faire. Hein, mais le deuxième boss il avait des ZAD et c'était pas un problème. Merde, j'ai pas paré. Quel connard. Je pense que je vais quand même sustain avec des flèches pendant que je reload. Ah mais non parce que c'est mon endu, je suis bête. Oh mais il prend tous ses bras hein. Il devrait perdre des PV quand il fait ça. Mais putain je perds du dips à tuer les blobs. En tout cas, j'ai bien fait de pas y aller avec la massue en bois hier. Tellement de dégâts perdus en vrai. Et merde. J'ai quand même fait toucher au final. Je me demande si j'aurais pas dû prendre les flèches de givre aussi. Juste pour lui en mettre dans les dents. Peut-être qu'il aurait pris cher.
Oh, la régène qui est pas assez haute. Hein. Bon, moi, maintenant que je m'en rends compte, je sais que les prochains boss, je préparais des popos de régène PV. Et de régène enduit. Surtout enduit, je pense. Ou alors, juste pour le. Allez. Franchement. Juste pour le fait que sinon ça prend des plombes, je pense que je vais mettre un feu ici. Et régène rapidement parce que sinon c'est trop long et trop chiant. J'ai pas envie de mettre 10 heures. Dès que je perds le humide, normalement j'obtiens le reposé. Ah merde, il y a un mob du coup. Je suis considéré en combat. Pas grave. En plus, je peux. Oh, ma su, j'espère qu'elle va pas, se casser. Est-ce que si je fais Slacid, c'est Slacid, je crois. Il va pas le reposer vite fait là. Et voilà. Ouais, en plus, il a pas régen, c'est ce que je disais. Merde. Ah là, faut que je reprenne des bouffes. Ah, j'avoue, je peux tourner autour. Et aller dans son dos. Dommage que les parades parfaites ça servent à rien. Bon, je rentre régène. J'aurais pu partir parce que ça va pas me tuer. Hein. Ça va me laisser à O2 de vital. Assez long. Hein. Putain, quand je joue le chat, j'aime bien jouer Yggdrasil de l'Atanto. Je suis à 43, ça monte à combien de vitesse? On va voir ce que. Ah ouais, 43, 71. 30, je suis pris 28. Ça fait quoi en forme? Non, c'est régène d'endurance. Hein. En forme, vie plus 50%, endurance plus 100%. Je pense que la massue va tenir. On va pas parler des problèmes. Oh, me dites pas qu'il a despawn. Non, non, non. Pas ça. Non, je pense pas qu'elle va tenir. Du coup, on va leur finir à la hache ou trouver une autre solution. Effectivement, je pense pas qu'elle va tenir. À part si j'arrête de taper les autres mobs avec. Parce que je tapais les autres mobs avec. Tu vois ce que je veux dire? Genre je passe à la hache pour les ZAD. Ou alors j'ignore les ZAD. Non, elle va pas tenir, hein, effectivement. J'aurais peut-être dû l'upgrade. Ou alors on finira avec tout ce qu'on peut mettre, quoi. La fin, on fera ce qu'on peut, quoi. Mais en gros, la crypte et le feu, j'aurais dû les remplacer par des popos d'enduit, il m'en aurait fallu une dizaine. Mais en plus, j'en ai fait plein les popos jaunes. C'est juste que j'y ai pas pensé, tu vois. Je pensais pas que l'enduit serait tant un problème. Aïe. Bon, après, j'abuse de prendre des coups, hein, j'avoue, mais bon. Par contre, popos de vie, j'avoue, j'en ai que 6. Hein.
J'aurais dû enfin, je devrais en fabriquer plus après. Et si on en profiterait pour récupérer les 2-3 fers dont j'ai besoin là-dedans. Après, j'imagine qu'il y a des strats, genre, tu peux construire un truc dans un arbre. Tu sais, tu mets des poteaux, mais si tu colles la structure à l'arbre, t'es bien. Et puis tu lui tires des... Ouais, non, parce que les flèches, ça avait fait aucun dégât. Mais il doit y avoir un truc, genre, des flèches de... Je pense que les flèches de givre du Drake, parce que j'ai looté 14 flèches de givre dans la montagne, je crois. Ou je sais plus où. Il y a des flèches empoisonnées et des flèches de glace. Oh, un coffre ou une connerie. Et des fois, je me balade hors stream et... Je crois que ça aurait fait la diff. Je vais reprendre cette viande, elle est insane. Ouais, si je focus le boss, je pense aussi que ça tient. Ouais, j'en profite quand... C'est-à-dire pas quand il vomit, mais... Quand il jette les mobs. Parade. Oh, j'ai raté. J'ai encore raté. En vrai, j'appuie, mais... Je crois que je suis animation locked. Je peux attendre qu'il mette un coup. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas un critique gratuit après ça. Empêche le sang de dégâts, hein. M'en fous, je prends le poison. Bon, on va pas à grid. Ouais, voilà, pourquoi. Une flèche en métal, y a pas. Si, j'ai des flèches en métal. Oui. J'ai des flèches en métal, c'est des... C'est des... Ah ok, y a un truc qui fait spawn. C'est vrai que c'est problématique. Ah bah voilà le fer qu'il me fallait. Je le récupérerai après. J'ai c'est des flèches en fer, c'est vrai que... Mais je crois que je les ai utilisées. Flash sur, non pas comme ça. Image, Ah non je les avais pas équipées, flèches en fer. Mais ça je crois que c'est pareil que flèches en silex en plus de dégâts. Faut des flèches avec un autre élément. Genre là il y a feu 22. Mais je pense qu'il y a givre à cause des drakes qui tiraient des canons de givre. Et en plus ils m'ont lâché des graines de givre et Ah non c'est en... j'ai débloqué le craft des flèches de givre. Un truc comme ça. Avec leur glande de givre là. J'en avais pas looté, j'avais vu le craft pop. Bon bah, on va aller le terminer de toute façon. Par contre voilà il faut une petite préparation, c'est pas un boss de la gratuité tu viens. Faudrait que je prenne une autre popo de poison dans pas longtemps. Mais je vais essayer de le bourrer. Un dernier combo. Voilà. 10 de popo, allez la popo 10 secondes. Mais... Oh là là. Je vais prendre la popo. Voilà. En fait, mon dernier coup, il a whiff. Nick. Nice. The mass is no longer moving. Nice. Bréchet et trophée de Mazdos. Eh ben voilà. Salutations, guerrier. Eh ben ça faisait au moins 40 heures de jeu que je t'avais pas vu, toi. Mazdos vous a laissé un cadeau. Apparemment, un des os de cet ossuaire vivant dans son ventre était un bréchet. Cet os contient une magie puissante qui peut vous guider à des choses cachées sous la terre. Il peut détecter les filons d'argent, mais peut également vous mener à un trésor enfoui. Ah, c'est les trucs de sourcier là. Tu tiens en mode... Ah, ça remplace ma ceinture. Et quoi? Comment je sais du coup? J'ai un buff bréchet, peut-être il va se mettre à vibrer. Ok, ok, bah c'est fait. Bah je suis content. Maintenant, j'imagine qu'il y a de l'argent dans les montagnes, vu que c'est le prochain biome. Et que je ne suis pas complètement débile. De toute façon, ce jeu, c'est le GOTY 21. Ouais, c'est le GOTY 21. Et d'ailleurs, Outward, c'était mon GOTY d'avant. 2020 ou 2019. Il est sorti quand, Outward? 2019, non? Outward Wiki. Non, merde. Le vrai Wikipédia... Mars 2019, ouais. Outward était mars 2019. 2020, je me rappelle plus de ce qui m'a choqué en 2020. Mais je crois que 2020, personne n'a été choqué. 2020, c'était de la merde en général.
L'année 2020, on va pas trop en parler, je pense. Ok. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais vider mes poches dans ce coffre. Je vais récupérer quand même ma ceinture parce que sinon je vais peser une tonne. Déposer les cailloux, ça, ça. Tout ce que dont je n'ai pas besoin. Un champignon par exemple. Ça je vais récupérer quand même. Ça c'est le truc et le bréchet. Le bréchet du coup c'est craqué. Donc la clé des cryptes, j'ai plus trop besoin. Je vais ouvrir toutes les cryptes de cette zone. Il y a 5 cryptes. Je vais tous les ouvrir en revenant. Comme ça elles seront ouvertes. Et après j'ai plus besoin de la clé. Et de toute façon je ferai plus de cryptes. Et si j'ai besoin, il y a 5 cryptes ici et j'ai un portail à côté. Pourquoi est-ce que j'ai mis une croix sur Yggdrasil? Par contre, Mazdos est tué. Donc, je vais voir si je peux prendre ça. Oui. Ça. Et je vais simplement piocher un peu. Pour avoir un peu plus de trucs. Bon, ME, ça sera sûrement ME les gens de la réunir. Moi je trouve que c'est... Moi jamais je fais ça. Enfin, je pense jamais qu'un remake ou qu'un remaster c'est un GOTY quoi. C'est pas possible, c'est un jeu qu'on connaît déjà. Même si c'est des très bons jeux, c'est se foutre de la gueule du monde. Mais ça a déjà été les cas je pense. Je comprends pourquoi ils font ça. Des fois y a des, dans les awards il y a des remakes, des remasters, je suis en mode what? Le jeu c'est technique. Le jeu c'est techniquement, enfin techniquement, je vais pas dire techniquement parce que quand c'est un remake justement c'est pas techniquement ni un remaster, mais objectivement c'est le même tu vois. C'est juste qu'il est plus beau ou plus fluide ou... Je vois que je troll. Si t'as mis un kappa, c'est vrai. Mais j'y pense parce que des fois j'ai déjà vu... My bad, my bad. Bon, une fois t'as utilisé le kappa et moi j'ai pas été lucide. M'arrive aussi. Hein. Ah, j'ai trouvé le point. Ah. Mais je l'avais. J'ai sauté de frustration, ça m'a level up. Au moins c'est ça. Ah. Merde. Ah, je l'ai eu au final. Tout ça pour pas de ferraille. Donc vraiment pour dire que ça sert à rien quoi. Ah par contre la chaîne, pas déconner. J'ai besoin de chaîne pour crafter un truc je crois. Par contre voilà je vais pas me faire chier à miner ces... À miner ces... Cet endroit quand même. C'est vraiment pour le fun. Je vais déposer... des champignons pour ramasser ce caillou, pour ramasser ces deux champignons, pour déposer ce caillou. Parce que je trouve qu'au moins, comme ça c'est propre. Comme ça, au moins c'est propre. Et après je peux récupérer les cailloux. Parce que les cailloux j'en aurais besoin pour Edoras, pour le gouffre de Helm. Ah, je suis content. Je crois que c'est le boss et la zone qui est la plus dure dans le jeu. Les marais. C'est comme dans tous les stages. Hein. Tous les jeux qui ont des stages, marais et tout. On avait dit qu'on ouvrait toutes les cryptes sur la route. Hein. Comme ça, elles sont ouvertes et j'ai plus besoin des clés. Alors, il y a une autre crypte par là. Ah, mais je suis con! Le fer, je vais pas pouvoir le TP à la maison. Oh, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ces embrouilles là. Des fers. Du fer qui se TP pas. Bon, c'est pas grave. En plus aujourd'hui j'ai vu des gens sur Twitter qui veulent un remake FF6, ils m'en touchent pas aussi. Et des jeux ils sont très bien, faut pas les remakes. Le 6 il est très bien en fait. Je vois pas en quoi il a besoin d'un remake perso.
Le 7 il était dégueulasse. Je comprends qu'il ait besoin d'un remake. Moi je trouve jouer au 7, le 7 comme il était, c'est. Ça a mal vieilli. Hein. C'est le problème de tous ces jeux PS1 et tous ces délires là, hein, franchement. Enfin, y a beaucoup de jeux PS1 qui ont mal vieilli. Hein. Moi je trouve que 7 ça a mal vieilli. Alors le truc c'est que c'est toujours le même problème, c'est la nostalgie et tout. Hein. Même comme ça les gens y jouent, ça reste le meilleur truc, mais objectivement c'est un gros jeu, mais ça m'a dit d'ailleurs c'est pas pour rien que les gens ils jouent full modé et tout, il y a des versions, c'est même plus, c'est tu vois la version, c'est même plus le jeu, et les versions avec des sprites de Cloud comme quand il est en combat dans la ville et tout. Même les maps sont refaites, ça abuse. Lui il a plus rien à voir, tu sais. Salut les gars. Alors j'ai une massue à en faire, je sais pas si vous voulez venir. Bonk. 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 Aïe. Bonk. Bonk. Pas de place pour ces os. Bon, j'ai envie de les prendre juste pour qu'ils soient pas en train d'être par terre quoi, mais bon. En train d'être par terre, ça veut rien dire. Haha, je me suis enfin vengé de tous ces moustiques. Ils m'ont rendu fou. Je vais venir récupérer ça, je pense. Je sais pas ce qu'on peut faire avec, mais je vais venir le récupérer. Je crois des flèches mystiques, je crois. Je crois que c'était ça. En plus, ça faisait partie de la recette des flèches. Ouais, je me disais bien un moustique. Là, je déteste le bruit de ces merdes. Hop, j'ai déposé le caillou. J'ai tellement de choses en vrai sur moi. Et là, bam, je me fais one shot par un moustique pendant que je me gratte l'oreille. Alors que je suis. Alors que je suis en fer et je me dis, ah. Pourquoi faut vraiment pas venir ici. Hein. Ouais, je vais aller chercher de l'argent, je pense. Avant d'arrêter. Parce que pour le plaisir d'en avoir. Parce que je pense qu'une fois que j'aurai l'argent, j'aurai déjà le tiers suivant. Et que ça doit pas être difficile à trouver. J'ai déjà une montagne pas loin. J'y vais, on n'en parle plus. Hein. Alors qu'est-ce que je peux laisser ici, histoire de. De toute façon, je vais laisser le faire. Je peux pas le prendre. Ah, quel dommage. Je peux laisser cette merde. J'ai envie de rien laisser, c'est abusé. Hein. Enfin, j'ai pas envie de laisser des pots et tout, quoi. Ça me saoule trop. Même toi, de toute façon, faut revenir pour ça, vas-y. Après c'est des jeux qui peuvent avoir des remakes slash remaster, mais ça reste des jeux 2D et ça reste des sprites et tout, mais je sais pas, peut-être en vrai j'ai aucune idée, ils peuvent peut-être changer un peu le gameplay ou le rendre un peu plus fluide, tu sais, genre améliorer la jouabilité, le remettre au goût du jour d'un jeu tour par tour, tu vois. Toujours des trucs faisables, mais les remasters et ils faisaient déjà ça un peu, et quelque part les versions PSP c'est des remakes, ils ont rien à voir avec les jeux. Genre la version PSP d'FF1 elle est incroyable, genre elle est insane comment elle est bien. Mais un jour je referai peut-être tous les FF comme j'avais fait il y a quoi, il y a 10 ans en stream, parce que c'était à l'époque où je streamais pas, c'était un bonheur. Ça n'aurait pas pris tant de temps que ça en vrai, et le truc c'est que je m'en rappelle bien. Et c'est rare en vrai. Quelqu'un qui se rappelle assez bien des FF pour aller faire au pif comme ça. Je me rappelle assez bien des feu-feu. Des feu-feu. Alors ça c'est un trophée de boss. Ah mais faut que j'aille le poser au Vec-Vizir là.
Allez, attendez, faut que j'aille le poser. Les cailloux. Il y a encore des aiguilles. La viande énervée. Je la laisse là. Hop. Hop. Faut me recharger en... en bouffe. J'ai posé les flèches de fer. Les flèches de feu aussi, je sais pas en besoin. Bon, je peux déposer la clé, finally. De toute façon, la clé elle se fait remplacer par ça, du coup. Les popos de poison. Vous voyez, c'est ça que j'aurais dû prendre. Regardez combien j'en ai. J'en ai 10, 6, 10, 2, 6. Par exemple, juste PV, j'en ai que 6. Donc, ça, ça aurait été un peu différent. Et je crois que j'en ai quelque part. Hein. Ah bah si, attendez. J'en avais pas fait. C'est contre le froid. Régénération de santé diminuée, progressivement de la vie. J'avais pas fait un truc. Non, ça c'était les bonnes endurances. Non, je confonds. Pour bonne endurance avec bonne vie. Et pas de bonne vie. Ça n'existe point. Oh, mais c'est. Plus de place. Va voir que je jette certaines choses à la mer. Je sais pas si ça marche. Hein. Dans le jardin, je vais déposer le truc du jardinage. Ma pioche et mon marteau, je peux le garder. Voilà, c'est bon. Merde. C'est là-haut. Non, ils peuvent pas faire un jeu 3D. FF7 ils peuvent, hein, c'est un jeu 3D. D'ailleurs FF7 le remake excellent. Hein. Best manière de faire un remake. Hein. Même le 8, hein, s'il avait un remake comme ça, ce serait insane. Même si je suis pas fan du 8, ça me permettrait peut-être de mieux l'apprécier. Parce que moi j'ai eu des problèmes de 8 avec... avec le côté... côté mec rebelle, tu vois. C'est le truc d'ado le 8. Moi j'étais trop vieux, j'ai pas fait le 8 à stage là. Mais même le 7 je l'ai pas fait à stage là. Époque pas les mêmes. Le mec il sneak tout le temps. Tudu.